À l'occasion du jour international de la commémoration de la Shoah, Benjamin Netanyahou, accompagné de nombreux ministres israéliens, se sont rendus en Pologne. Avant de se rendre à Auschwitz pour une cérémonie particulière, le Premier ministre israélien a donné un discours à Varsovie où il a rappelé qu'il existe encore aujourd'hui des personnes appelant à l'extermination du peuple juif. Par ailleurs, le président israélien Shimon Peres, actuellement en Allemagne, donnera à l'occasion du jour de la Shoah un discours en hébreu depuis le Parlement allemand.